Je suis Laurent Miston et donc je suis un jeune retraité de l'armée. Je suis parti en 2014 après 26 ans de service, voilà, où j'ai pu faire 20 ans à l'EMHM et à peu près 8 ans au groupe militaire de haute montagne. Solidarité, l'entraide, ça s'apprend. C'est quelque chose qui n'est pas inné. Et ça, justement, quand on rentre dans le milieu militaire, entre autres, c'est quelque chose qu'on apprend tout petit et qui devient ensuite un peu notre marque de fabrique. Et je pense que ça se réunit autour d'une chose, c'est la cohésion. L'entraide en montagne, hein, sur le plan technique, sur le plan physique, on le vit au quotidien. Voilà, et la solidarité aussi. Dans les bons et les mauvais moments, j'allais dire. Voilà, les bons moments quand on arrive au sommet, voilà, quand au bout d'un effort. Et puis les mauvais moments, malheureusement, quand on perd des camarades, parce que ça fait malheureusement partie de notre quotidien aussi dans des expéditions un peu engagées, comme on peut le faire au GMHM. Un moment d'entraide et de partage, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui est très très fort pour moi et qui signifie beaucoup. D'une part parce que c'était un moment vraiment où j'aurais pu perdre la vie, c'était en expédition. Hein. Et puis c'est un moment où j'ai vu vraiment le meilleur de ce qu'on peut avoir de nos camarades, c'est-à-dire l'entraide et le partage. Et sur un sommet en altitude, hein, au Tibet, au Minyakanka pour ne pas le citer, je faisais un gros œdème pulmonaire en redescendant du sommet. Et là, mes camarades m'ont carrément pris en compte, m'ont porté, m'ont aidé à remonter parce qu'il fallait remonter sur un sommet, sur un point haut pour redescendre. J'étais incapable de le faire. On m'a porté, on m'a soutenu jusqu'à ce que j'arrive au camp de base. Donc ça, c'est un moment très très fort. Et là, il y a des camarades qui ont carrément sacrifié leur sommet pour moi. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que les gens sont vraiment prêts dans des moments difficiles à donner tout pour une personne.